compléter ce que dit Jean Séverin, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que le DSI, nous à l'intérieur, on a choisi de mettre les achats à la DSI, les achats IT à la DSI. Ce qui fait qu'on travaille toujours ensemble et la décision, elle est vraiment collective. On n'est pas dans le consensus mot. Le dossier est instruit d'un point de vue économique, d'un point de vue informatique, et ensuite la décision est prise. L'intérêt de l'acheteur, c'est qu'il y ait de la concurrence. Sur le domaine du libre, il peut y avoir des représentations. Moi, j'observe que c'est là-dessus qu'on arrive à mettre en concurrence, à faire travailler tout le monde, les grosses structures, les petites structures. Et quand bien même on massifie, on arrive à trouver des moyens de faire travailler tout le monde. Vraiment, l'ennemi du DSI, ça va être la dépendance. L'ennemi de l'acheteur, ça va être la non-concurrence, le monopole. Donc, de ce point de vue-là, nos intérêts se rejoignent. Et est-ce qu'on achète du logiciel libre comme on achète du logiciel propriétaire? Alors, en termes contractuels, il est, ça, cette position, ça n'engage que moi, il est plus simple d'acheter du logiciel libre, enfin des prestations de services autour du logiciel libre, parce que tout simplement, moi quand je prends un contrat et qu'on doit le renouveler, je demande mais qu'est-ce qu'on demande, quels sont les SLA? Souvent, quand je suis devant un contrat éditeur, j'ai rarement du SLA. Je peux en avoir sur un malentendu, j'ai surtout du best effort. Et donc, c'est en ce sens que le recours à des prestations autour du logiciel libre n'est pas si compliqué que ça. D'autant plus qu'on travaille sous le pilotage de Jean Séverin en interministériel pour donner une boîte à outils à destination de n'importe quel acheteur public. Demain, je veux passer un marché à dominante libre. Qu'est-ce que je fais très concrètement? Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment du closier. Donc, il y a la photo, il y a le film. Il y a des choses vraiment qui se mettent en place et qui rendent la chose beaucoup moins compliquée et les représentations beaucoup moins impressionnantes. Monsieur Lair, j'aimerais que vous repreniez le micro parce que, donc effectivement, il y a cette possibilité d'acheter du service. Donc, ça, c'est très bien, mais il faut le définir, ce service. Quand vous achetez un logiciel propriétaire, bah, vous l'achetez et puis vous avez le droit de rien, donc c'est facile. Là, il faut dire ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué quand même? Alors, oui, évidemment, l'achat du logiciel libre, c'est plus compliqué. C'est ce que je disais aussi, c'est très facile d'acheter sur étagère. Mais comme le disait Christophe, à des prix défiant toute concurrence, quand la concurrence existe encore. C'est aussi un des gros problèmes. Donc, oui, je dirais, c'est un peu plus de complexité parce que c'est du service. Mais on peut enfin définir ce dont on a réellement besoin, et dans un sens comme dans l'autre. Parce que quand on dit qu'on veut forcément mieux que du best effort, c'est même pas forcément le cas. J'irais jusqu'à dire que même dans certains cas d'usage du logiciel libre, ça se fait sans aucun support et sans aucun engagement. Et par contre, sur des systèmes critiques, ça va se faire avec des engagements de réparation, enfin de solutions de contournement dans les 4 heures, de solutions définitives dans la journée ou dans les 2 jours, chose qu'on n'aura jamais avec du propriétaire. Donc, on peut en plus adapter sa demande selon ce dont on a besoin. Et c'est ce qu'il faut voir justement avec l'acheteur. Il faut avoir le bon niveau pour avoir le bon prix. D'accord. Alors, j'aimerais avoir maintenant l'opinion du secteur privé, qui est ici représenté par Hervé Martignage, donc qui est directeur des achats indirects France de Auchan. Alors, chez Auchan, acheter, c'est un peu votre métier. Alors, plus des boîtes de petits bois que des logiciels, certes, mais la question de l'open source se pose évidemment chez vous aussi. Et est-ce que vous avez les mêmes difficultés que dans le secteur public? Je me retrouve un peu dans tout ce qui vient d'être dit. Le choix de l'open source est quelque chose qui est de plus en plus étudié chez nous. Par contre, c'est un choix structurant. Vous m'entendez? Voilà. Donc, comme c'est un choix très structurant, ce sont des achats impliquants. Et l'acheteur seul ne peut pas prendre la décision de partir sur de l'open source ou pas. Et si open source, avec service ou sans service, c'est-à-dire un service totalement gratuit. Mais pourquoi est-ce plus impliquant qu'un logiciel propriétaire? Ah ben, ça définit beaucoup l'organisation. C'est vraiment les interlocuteurs DSI qui doivent être partie prenante sur ce choix. C'est vraiment un choix d'organisation. Parce que la DSI doit réagir de manière différente, elle ne doit pas avoir les mêmes prestations, les mêmes compétences? Ah non, pas du tout, mais c'est un choix. Est-ce qu'on part sur du full gratuit? Est-ce qu'on prend de l'open source avec service? Est-ce qu'on part sur du logiciel propriétaire? C'est vraiment un choix de DSI et non pas de simple acheteur. Merci. Alors, vous avez prononcé un mot qui va faire réagir l'intervenant suivant, qui est donc Ludovic Dubos, c'est full gratuit. Est-ce que ça vous donne des boutons, ça?
Oui, tout à fait, parce que en fait, je pense que si on se focalise uniquement sur le prix quand on parle d'open source, on se trompe de bénéfice. En fait, le vrai bénéfice du choix de l'open source, c'est la liberté, ce qui est une chose différente de la gratuité. Et le problème, c'est que si on fait la bijection entre liberté et gratuité, ben, dans ce cas-là, se pose un problème, c'est ben, finalement, qui le développe, ce logiciel ? Qui paye la R&D ? Est-ce qu'elle est uniquement payée par des brides de services qui améliorent le produit petit à petit ? Et est-ce que cette solution, elle permet réellement de faire des bons produits ? Ou est-ce que y a quelqu'un qui est payé, peut-être pas par les vrais utilisateurs, pour maintenir le logiciel et le faire progresser tout le temps. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bah, si nous, on prend notre exemple à nous, on a des personnes qui sont payées en permanence pour améliorer le logiciel. Ces personnes ne peuvent être payées que sur la marge que notre société va faire. Cette marge, elle va être obtenue sur les services, sur les contrats de support, sur la formation qu'on va obtenir. Ou alors, si on met en place un modèle de double licence ou de partiellement gratuit, c'est-à-dire partiellement open source, une partie open source, une partie propriétaire, éventuellement on peut gagner de l'argent sur la version avancée du logiciel open source. Mais dans ce cas-là, on n'est plus vraiment sur de l'open source complet. Donc si on souhaite, si on a une volonté à terme, enfin, si on a une volonté que les solutions full open source existent, il faut qu'on se pose la question de comment la R&D est financée et qui la paye. Et donc moi je pense qu'il y a danger dans certaines stratégies d'achat qui tirent à regarder le moindre coût et qui peuvent amener à acheter des prestations à des sociétés de services qui ne contribuent pas au logiciel, qui ne l'améliorent pas, au détriment éventuellement de ceux qui l'améliorent et qui ne reçoivent pas de revenus, donc ne peuvent pas éventuellement continuer à améliorer le logiciel. Donc là, il y a des vraies questions à se poser sur le modèle de financement. Alors, il y en a d'autres aussi, il y a d'autres modèles de financement qui peuvent exister pour des logiciels open source, mais il faut se poser cette question. Si, dans la stratégie d'achat, on va au plus efficace, c'est-à-dire qu'on optimise la stratégie d'achat, on ne va pas acheter à celui qui finance la R&D, puisque forcément, il a des coûts supérieurs à partir du moment où il finance cette R&D, ou il y a de fortes chances qu'il ait des coûts supérieurs, et donc, on va avoir un problème de financement de la R&D. Alors, tout à fait, bien sûr, c'est la grosse question, c'est gratuit, mais à condition d'avoir été payé quand même une fois. Il ne faut jamais oublier cette phrase, le logiciel est gratuit une fois que quelqu'un l'a payé. Alors, est-ce qu'il est payé en permanence ? Est-ce qu'il est payé que, justement, quand quelqu'un veut l'améliorer ? Quid de la maintenance ? Quid de la maintenance régulière du logiciel ? Comment elle est faite et comment elle peut être faite efficacement ? Alors, vous êtes éditeur de logiciels open source. On a à cette table ronde également une SS2I, donc Capgemini. Si vous pouviez lui passer le micro, alors l'un ou l'autre, voilà, très bien. Monsieur Huriet, en fait, la question c'est, quand on vous donne de l'argent à vous, est-ce que ça profite vraiment au développement du logiciel ? C'est une question difficile. Globalement, je pense que oui. Globalement, je pense que oui, parce que aujourd'hui, le libre, effectivement, a fait déplacer le problème de l'acquisition, d'un problème d'acquisition de licence d'une propriété intellectuelle à une acquisition de service. Bon, après, il y a un mix à trouver qui permet de rémunérer justement les parties prenantes. Il y a quelques années, les choses étaient simples. On avait un libre essentiellement communautaire et gratuit, et à côté, on avait des acteurs propriétaires. Cette situation a beaucoup changé, et aujourd'hui, on a un spectre quasi continu entre des gens qui ne cherchent absolument pas à monétiser quoi que ce soit, à la limite, du volontariat pur, mais ça devient mineur. Les solutions qui intéressent les entreprises et les intégrateurs comme nous, et les acheteurs comme la puissance publique, ce sont des produits sophistiqués qui sont capables de remplacer à fonctionnalité égale, voire supérieure, des produits d'éditeurs qui exploitent le modèle de monétisation classique. Donc la difficulté, c'est que ce paysage a bougé très rapidement, et il n'y a pas de règle aujourd'hui pour retrouver une juste répartition des bénéfices de toute la chaîne économique. Voilà. Maintenant, je pense que des sociétés comme nous, nous sommes des intégrateurs. Nous sommes des intégrateurs très présents dans la sphère publique notamment. Et nous y avons introduit, avec l'aide de nos clients et sous la pression de nos clients aussi, il faut le dire, on a introduit une dose massive d'open source.
Aujourd'hui, Capgemini, par exemple, pour vous donner une idée, dans le secteur public français, tout confondu, 80% de notre mix technologique est open source. Mais alors, quand vous avez un contrat avec l'un des ministères ici représentés ou un autre, comment, ou même avec une entreprise privée, puisque vous avez des clients de tout type et de tout statut, comment ça se passe? Alors imaginons voilà, qu'ils vous demandent une intégration ou une amélioration du logiciel open source. Donc vous allez réaliser cette amélioration ou cette intégration. Ce code va être reversé à la communauté. Comment ça va se passer? D'abord, des sociétés comme nous faisons très peu d'évolutions dans les logiciels libres actuels, les plus répandus, les plus performants. C'est une idée fausse de dire que les intégrateurs sont... D'abord, on n'est pas des gens innovants, ça se saurait. On est des... C'est bien de le reconnaître. Oui, mais je pense qu'on est nécessaire dans la chaîne de valeur, parce qu'on a aussi aidé à introduire l'open source et à lui donner une grande légitimité dans plein de systèmes d'information, y compris publics. Donc on a eu un rôle important à jouer, et je pense qu'on a augmenté la valeur pour tout le monde de ce marché. Donc, en ce sens, quelque part, indirectement, on a rémunéré tous les acteurs de la chaîne qui souhaitaient l'être. L'autre aspect, c'est qu'on ne fait pas d'évolution significative, sauf très rarement dans des logiciels libres. On développe des systèmes d'information ou des applications qui, des fois, nécessitent des adaptations, des enrichissements, plutôt fonctionnels que purement dans le noyau technique des produits. Et on pense que c'est le travail des éditeurs et des communautés de faire ce travail. La seule chose où des fois, nous apportons éventuellement un peu de valeur, c'est qu'effectivement, nous avons aidé dans les dernières années à créer des contrats de support qui associent d'ailleurs des acteurs libres et des PME qui sont présentes dans cette salle et qui peuvent en témoigner. On travaille ensemble pour essayer d'apporter un niveau de service qui équivaut à ce qu'on trouvait dans le monde de l'édition logicielle il y a quelques années, en termes de SLA, pour apporter de bons SLA, et pour combler le vide, parce qu'aujourd'hui, un acheteur qui se trouve devant une solution libre, il peut avoir un grand mouvement d'inconfort par rapport à brusquement la négociation n'existe plus, on ne cherche plus à avoir un très bon prix, on veut bâtir un écosystème qui marche pour réussir son projet. Donc nous, ce que nous faisons dans ces cadres-là, c'est qu'effectivement nous sommes amenés éventuellement dans le cadre de ces opérations où nous construisons notamment des supports techniques qui embrassent toute une très grande quantité de logiciels, essentiellement communautaires d'ailleurs, pas tellement éditeurs, nous reversons systématiquement aux communautés toutes les corrections, les rétro, tout ce qu'on peut faire qui a d'une quelconque utilité à telle ou telle communauté, nous le faisons. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous le faisons avec actuellement la puissance publique, sur des supports interministériels notamment, où le focus n'est absolument pas de remplacer les éditeurs qui cherchent à gagner leur vie dans cette salle, mais surtout à fournir à nos clients une continuité de service globale avec une garantie de reverser en leur nom tout ce qu'on peut créer ensemble. Et donc de contribuer à l'amélioration. Mais ce n'est pas une contribution technologique majeure dans le noyau de ces produits. D'accord. Alors, vous avez quand même prononcé un mot sur lequel je souhaite faire rebondir mes trois acheteurs, et notamment pour commencer M. Martinage. Vous avez prononcé le mot de valeur. Alors, quand on achète un logiciel de propriétaire, on a une licence, on a donc une valeur qui est très claire, qui est très nette, c'est le prix qui est marqué sur la boîte, qu'on va amortir sur, en principe, c'est 12 mois, je crois, maintenant. Donc, comptablement, tout est net, tout est propre, il n'y a aucune question à se poser. Avec le logiciel libre, c'est peut-être un petit peu différent, non? On est plus dans une logique d'OPEX que de CAPEX, effectivement. Mais c'est la dimension service que l'on va chercher avant tout. Dans le cadre du logiciel libre. Et donc, comment on valorise le logiciel libre vis-à-vis, ne serait-ce que pour défendre les budgets? Comme souvent dans les achats, on va essayer de trouver la valeur juste qui consiste à payer le prix que l'on veut bien payer pour le service. C'est une réponse un peu vague. Mais Monsieur Anthony, peut-être. On essaye de faire preuve de pragmatisme en se disant, pour tout type de besoin, que ce soit des besoins d'infrastructure ou de solutions logicielles proprement dit, quelles sont nos options. Et dans l'option effectivement très lisible d'un point de vue économique du logiciel propriétaire, on a les données. Et puis en face, on va dire, si on prend telle solution libre, et qu'ensuite on fait œuvrer nos marchés d'intégration ou nos marchés de pur support, voilà ce que ça coûte.
et on met les compétences dont on doit disposer en interne. C'est vraiment cet élément-là. Mais nous avons un cadre de cohérence technique qui ne dit pas c'est tout libre ou tout propriétaire. C'est pour chaque besoin déterminé ou chaque type d'usage déterminé, il y a tel logiciel propriétaire et telle solution libre. Et tout notre enjeu, c'est d'industrialiser les solutions libres qui répondent à des besoins très transverses. Ça se défend relativement bien. D'accord. Et monsieur Lair, alors vous, côté plus DSI? Je dirais globalement, de toute façon, c'est comme tout projet informatique. Les budgets, maintenant, c'est par projet. Donc, on regarde l'ensemble de l'opération. Il faut la regarder aussi sur un certain nombre d'années d'exécution derrière. Et puis, on fait un bilan comptable, clairement, sur l'achat. Mais après, la valeur, entre guillemets, ça ne va pas être seulement ça en termes budgétaires. Ça va être aussi l'intégration dans le système, la dépendance que ça crée. Parce que malheureusement, il y a aussi un effet qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'assez souvent, la première fois, c'est pas cher. C'est comme certains disent, en allant très loin dans la comparaison, la première dose de cocaïne, elle est gratuite. Bon. Et donc, après, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va devenir plus tard, quand on n'aura plus la remise de 90% parce qu'on est nouveau client. Bon. Et ben voilà. Donc, il faut vraiment voir ça sur la durée. Il faut voir aussi des choses comme qu'est-ce que ça impose de changer de version selon le rythme du fournisseur et non pas selon le rythme de son système d'information, etc. etc. Bon, donc, quand on essaye d'intégrer un peu tout ça, c'est facilement favorable au logiciel libre. Mais ça dépend en effet des contextes. Alors, je voudrais quand même maintenant me retourner vers la salle et voir s'il y a une question. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur. Non ? Oui. Non ? Si ? Il y a un micro-baladeur ? Sur Twitter. J'appelle mon petit travailleur dans l'ombre. J'ai un travailleur dans l'ombre qui questionne sur Twitter. Il est en Inde ? Non, il n'est pas en Inde. On l'a délocalisé, mais bon, pas si loin. Est-ce que nous avons des questions sur Twitter ? Non, pour l'instant, ça va, pas de questions sur Twitter. Est-ce que vous avez les questions à la salle ? Bon, ils sont toujours un petit peu timides, il ne faut pas se vexer, rassurez-vous, ils sont intéressés, un petit peu timides. Alors, ce n'est pas grave, parce qu'il y a un point sur lequel je voulais avoir quand même un retour du fournisseur éditeur, donc à savoir, donc M. Dubost, qui est toujours fondateur de Mixwiki, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, parce que là aussi, vous avez une valeur à défendre. Et comment vous présentez face à des entreprises où vous dites, ben voilà, moi j'ai un beau logiciel, le logiciel en lui-même, la licence, elle est gratuite, derrière vous allez m'acheter du service. Bon, comment on fait pour vendre quelque chose qui n'a pas de prix ? Pas de prix fixe, en tout cas. Je pense qu'en fait, ce problème, il est un peu général pour le logiciel. Les logiciels, il y en a eu à tous les prix. Et ils faisaient on a vu des logiciels à 1 million d'euros. Et on retrouve, quelques années plus tard, on trouve un logiciel de 5 000 euros en propriétaire qui fait la même chose. Donc, l'évolution des logiciels, la vitesse à laquelle ça évolue, la vitesse à laquelle certaines technologies permettent de refaire la même chose beaucoup plus rapidement, font que c'est ce problème de finalement déconnexion du prix, on ne sait plus bien à quoi se raccroche le prix. Et là, je rejoins ce que disait monsieur, c'est en final, le client, il achète avant tout par rapport à la valeur que représente le logiciel pour lui. À côté de ça, il compare ça aux options qu'il a. C'est-à-dire, est-ce que finalement, j'ai cette solution-là, j'ai cette solution-là, j'ai cette solution-là. S'il y a quelqu'un qui arrive avec une solution beaucoup moins chère, forcément, il va la regarder de plus près, à condition qu'il estime que la valeur est toujours là. Donc nous, en fait, déjà, en tant que fournisseur d'open source, quand il s'agit de se présenter, le problème clé, il était, en fait, c'était, être open source n'était pas forcément un avantage extrêmement important, en particulier au début. Le problème numéro un, c'était d'être d'abord compétitif sur la valeur du logiciel. C'est-à-dire, il fallait déjà que le logiciel donne confiance et soit un bon logiciel. Donc ça a pris pas mal d'années d'ailleurs avant d'arriver là. Donc le premier truc, c'est qu'il faut déjà que le logiciel soit bon. Ensuite, de toute façon, une mise en œuvre de logiciel, c'est un tout. Donc un client, il a un besoin, on lui apporte une solution. Alors,
Et c'est là où, en effet, il y a plusieurs solutions pour le client. Il peut prendre des logiciels open source qui existent et il y a une société de service, un intégrateur qui l'apprend, ou parfois il peut s'adresser en direct à quelqu'un qui lui offre une solution et qui a l'expertise et la capacité de la mettre en œuvre. Donc nous, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le plus du business. Et c'est là que ça me permet de réagir un peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, il est vrai que les sociétés de service participent à l'essor de l'open source en termes d'implémentation. Par contre, on peut vraiment se poser des questions si elles aident à l'essor de gens qui font de la R&D pour faire de l'open source, pour continuer à améliorer des logiciels, parce qu'un des problèmes, c'est que si c'est elles qui sont en direct, ce qu'on voit, et nous on le voit dans nos chiffres, les projets qu'on fait à travers des partenaires rapportent moins d'argent et font moins de marge. C'est-à-dire que si on regarde ce qui nous fait vivre, c'est les projets en direct avec les clients. C'est pas les projets à travers des partenaires, à travers des sociétés de services. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait que les sociétés de services qui mettaient en œuvre nos logiciels, on n'existerait pas. Si on n'avait pas, nous, notre force de service pour mettre en œuvre les logiciels en plus du support, avec le support, on ne survivrait pas. Avec simplement le support, et d'autant plus avec le support vendu par les sociétés de services qui n'en vendent quasiment pas, c'est-à-dire, il faut être très clair, nous n'avons quasiment pas un contrat de support vendu par des sociétés de services, ça se compte sur les doigts d'une main. À côté de ça, on a vendu, nous, des contrats de support packagés avec du développement, avec de la mise en œuvre, et avec des développements spécifiques payés par les clients, et ceux-là, ils nous font vivre. Et depuis 9 ans, on est rentable avec ça. C'est-à-dire que je vais être très clair, quand je critique un peu ce qui se dit, j'aime l'open source, et j'adore en faire, et je suis très content que ma société en fasse. Je signale juste des risques, et des problèmes, et des faits qui ralentissent l'essor de meilleurs logiciels open source. C'est-à-dire que si on veut des meilleurs logiciels open source, il faut se poser clairement ces questions, et je pense que ça ne sera pas les services qui vont se les poser, parce qu'eux, ils ont leurs intérêts. C'est au client de se les poser. C'est au client final de se les poser et de se dire, qu'est-ce que je dois faire si je veux un win-win à long terme pour l'open source. Alors justement, Monsieur Lair voulait réagir. Oui, je voulais réagir parce que je pense que là, on est en effet à un moment clé où il y a des choses qui changent dans les modèles, etc. Et justement, ce qu'on commence à voir arriver, parce que le discours que vous avez, je l'entends dans d'autres cas, chez d'autres éditeurs, on arrive à, je dirais, à des porteurs de logiciels libres qui, quelque part, refusent la concurrence. Et ça, c'est pas possible. C'est un des arguments clés aussi du logiciel libre. C'est de remettre en place une concurrence et de remettre en capacité tout le monde de faire du service autour des souches. Si les éditeurs commencent à dire « c'est pas possible, la souche ne peut pas exister, si ce n'est pas moi qui fais le service, autant faire du propriétaire ». Donc alors, je crois qu'il faut être clair là-dessus. Alors, nous ne refusons pas la concurrence, je veux être très clair par rapport à ça. On n'a pas dit qu'il fallait qu'on ait absolument le service, je n'ai jamais dit ça. Par contre, si le client veut un modèle mixte, et en particulier qu'il y ait une concurrence sur le service entre autres, il faut qu'il se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas systématiquement qu'il achète un contrat de support en négociant le prix à un niveau correct qui soit raisonnable pour tout le monde et qui permette à la R&D de continuer à exister. Parce que si il met en concurrence en permanence l'éditeur qui lui finance de la R&D à des niveaux significatifs avec des sociétés de services qui ne la financent pas, et ben forcément la société de services sera moins chère. Comment vous voulez-vous qu'on soit compétitif en termes de prix si nous, on a une équipe de 10 personnes à payer d'ingénieurs hautement qualifiés qui font vivre le logiciel en permanence alors que la société de services ne le fait pas? Elle pourra toujours s'aligner sur notre prix, il n'y a aucun problème pour elle. Elle sera toujours gagnante. Nous, on va être obligé de brader et vivre soit mal, c'est-à-dire dire à nos ingénieurs qu'on ne peut pas les payer le prix qu'il faudrait les payer par rapport à leur niveau de compétence, ou arrêter de faire de la R&D comme les sociétés de services, c'est-à-dire dire on va faire comme la société de services, on arrête de faire évoluer la souche. Et là, c'est le client qui sera perdant. Si la souche n'évolue plus, le client est perdant. Alors, Monsieur Lair, je voudrais quand même que vous le repreniez, parce que je pense que le débat pourrait s'éterniser et malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quand même, il y a un point qui est très important à signaler dans le secteur public, et en particulier dans le secteur public d'État, c'est que ce choix de l'open source, donc justement, a permis de restaurer la concurrence, mais aussi de faire travailler des PME, et également de mutualiser beaucoup ce qui se fait. Alors, nous avons ici donc le ministère de l'Intérieur, qui a déjà pris le micro, c'est très bien, et le ministère de... je ne sais jamais, c'est la culture, vous, voilà. Je vais toujours vous envoyer à l'agriculture, je suis désolé. Donc le ministère de l'Agriculture. Donc on voit quand même deux ministères très 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 différents et où vous travaillez ensemble régulièrement, donc sous l'égide également de la DISIC. Donc comment au quotidien se passe cette mutualisation et ce travail des PME avec les PME? Alors, la massification est de toute façon en effet un problème par rapport aux PME, ça je ne le cacherai pas.
Mais justement, comme ça a été dit, en fait, on pousse justement nos grands industriels qui répondent à nos appels d'offres massifiés à derrière aussi faire appel aux PME. Donc déjà, il peut y avoir ce premier cas. C'est-à-dire, il y a soit une réassurance, soit une demande d'expertise qui passe à travers ceux avec qui on contractualise. Et puis après, il existe aussi des accords cadres qui peuvent être faits avec toute une série d'acteurs. Et sinon, il y a des idées. Elle n'a pas été appliquée dans le cadre du logiciel libre, mais je vous la donne parce que, à mon avis, elle serait applicable. Il y a un marché de prestations intellectuelles de l'UGAP qui a retenu un consortium qui s'appelle INOPS, qui rassemble 120 conseils, micro-SS2I, etc., et qui est en fait une concaténation de toute une série de petites PME, et donc sur un gros marché de l'UGAP. Donc c'est possible, on pourrait imaginer des choses pareilles. Et c'est là aussi que je voulais en arriver, c'est qu'à mon avis, plutôt que de chacun réclamer sa part, il faudrait peut-être aussi au niveau contractuel et au niveau de l'achat, commencer à penser en collaboratif, c'est-à-dire d'essayer de moyenner un peu les choses et d'avoir toute une série d'acteurs face à des grands donneurs d'ordre. Alors, au ministère de l'Intérieur, quelle est votre position ? On s'inscrit tout à fait dans la démarche définie par la DIZIC et opérée par sous le pilotage de Jean Séverin par le service des achats de l'État. On est clairement dans une logique de partage interministériel, ce qui n'était pas gagné à la base. Il faut être honnête, les premières réunions avant constitution du marché de support des logiciels libres, chacun venait avec sa paroisse, ses habitudes. Je dirais que maintenant c'est quelque chose de naturel, sur les échanges, sur les difficultés, la capitalisation sur ce qui se fait, à la fois en support et en développement des usages, est assez naturelle. C'est presque bizarre de dire ça au bout d'un an et demi d'exécution de contrat, mais ça s'est fait vraiment très rapidement. Il y a un certain nombre de représentations qui sont toutes tombées. Dès qu'on parle concret, ça apaise. Et ça, c'est déjà quand même une bonne chose d'avoir un petit peu plus de paix dans ce bas monde. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Là, on est obligé de rendre l'antenne, mais de rendre le micro, puisque malheureusement, il faut quand même essayer de rattraper le retard.